J'ai une énergie de phénix, je me suis réinventée toute ma vie. Toute ma vie, je me suis réinventée. Dans le passé, je me suis réinventée pour les autres. Aujourd'hui, je me réinvente pour moi parce que je suis un être créatif et que, à travers mes cycles de vie, je vis un dépouillement où je lâche petit à petit des parts de mon ego, des violences, de la toxicité, etc., qui partent et qui sont nettoyées et purifiées à travers moi, à travers ma vie, à travers mes expériences et mes choix et mon libre arbitre. Le phénix, c'est ça. Il s'est tellement réinventé, il est tellement mort et il renaît et il meurt et il renaît qu'à la fin, il est pure lumière. Il est purement la flamme intérieure. La transformation, le dépouillement, le fait de lâcher des mémoires, aller vers sa guérison, devenir plus soi-même, devenir plus vrai, raviver sa flamme intérieure, renaître de ses cendres, surtout quand on a eu un parcours de vie difficile. Ce sont des thèmes qui reviennent énormément parmi les personnes qui viennent me consulter. Et le programme Phoenix a été créé spécialement pour vous. Et oui, le principe du programme Phoenix, c'est la transformation. C'est le sujet et le thème central. La transformation, l'évolution, la guérison, guérison de vos, guérison des mémoires, guérison des épreuves de vie, guérison des pertes d'énergie qu'on a pu avoir, guérison des traumas. Voilà. Et tout ça passe par la transformation de son être, c'est-à-dire la déconstruction de du faux self qu'on s'est construit pour survivre, hein, dans des territoires hostiles, bien sûr, et aussi pour éventuellement gommer sa différence et s'adapter à l'autre, s'adapter en faisant plaisir et faire passer les autres avant soi. C'est aussi un faux self qu'on a créé vis-à-vis de la dépendance affective, par rapport à la peur du regard des autres, par rapport à la peur d'être abandonné, la peur que les gens puissent être malveillants vis-à-vis de nous-mêmes si on ne va pas dans le bon sens. Voilà, il peut y avoir plein, plein, plein de raisons pour lesquelles on a créé un faux moi, des raisons pour lesquelles on a fermé notre cœur aussi. Des raisons pour lesquelles on s'est coupé de ses émotions, où on ne sait plus les gérer, et tout qui remonte d'un coup, ah, des émotions refoulées, voilà. Des raisons pour lesquelles on a pu se couper de son intuition aussi. Et le programme Phoenix, il est vraiment là pour vous aider à retrouver qui vous êtes vraiment à travers tout un processus de transformation, à travers le partage et l'échange. Le côté unique de chacun et la différence seront aussi au cœur du programme Phoenix, sachant que quand même ma spécialité, c'est les profils atypiques, hypersensibles, haut potentiel, surdoués, starseed. Ma spécialité, c'est aussi d'éradiquer les violences, okay, donc d'aider à guérir et à transmuter des énergies de colère, de haine et des énergies meurtrières. Qui peuvent être tournés contre soi ou contre les autres, d'accord? Donc ça peut être des auto-sabotages, des envies suicidaires, des angoisses, etc. Donc là, on est tourné vers soi. Ou ça peut être des colères refoulées vers les autres, etc. Donc j'aide vraiment à guérir tout ça. Quand je parle de violence, je parle de violence physique, je parle de violence psychologique, je parle de violence également, des violences sexuelles, tout ce qui est harcèlement, attouchement, pression. Voilà, on en parlera bien entendu dans le programme. Ça aide vraiment à se. En fait, l'accompagnement, il permet de se reprogrammer pour retrouver ce qui est juste pour soi, parce qu'il y a des choses des fois qu'on a acceptées et on croit que c'est normal. Et en fait, non, c'est pas normal. Donc, ça va être accueillir des parts de vous, des talents, des potentiels. Sur lesquels vous n'avez peut-être pas jamais eu de miroir, de validation ou de reconnaissance, et parce que tout simplement vous n'avez pas croisé des gens comme vous. Vous n'avez peut-être pas eu cette chance dans votre vie, ou trop peu souvent. Alors du coup, vous n'avez pas pu cultiver certaines ressources de votre véritable moi, et vous avez pu vous tromper sur qui vous êtes, et essayer de vous conformer. Et donc le programme Phoenix permet de, à travers la transformation, se dépouiller pour pouvoir sortir de sa coquille,
naître au monde, voilà, arrêter de se cacher, arrêter de faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre, arrêter d'essayer d'avoir une vie normale comme tout le monde. Voilà. Le programme que l'on va suivre n'est pas un programme figé, comme tu l'as compris, hein, donc c'est quelque chose qu'on va construire ensemble. Voilà. Tous les mois, il y a une révision des sujets et des thèmes que l'on va aborder suivant tes questionnements, les autres questionnements des personnes qui sont dans cet accompagnement. J'ai noté là les thèmes qui sont les plus souvent abordés. Alors, les flammes jumelles, donc les flammes jumelles, les amours impossibles. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Ça aussi, hein, parce que beaucoup de personnes à profil atypique ont une vision déformée de l'amour. On va parler relations toxiques en prise, on va parler dépendance affective, procrastination, blocage d'âme, le fait d'avoir du mal à... Donc dans la procrastination, c'est la difficulté à trouver du plaisir en fait dans ce que l'on fait, difficulté à trouver sa voie. On va aussi parler des parents toxiques, les parents destructeurs ou les parents qui n'ont pas apporté ni reconnaissance, ni accueil, ni écoute. On parlera aussi de dépression et d'angoisse, comment faire pour gérer ses émotions, gérer ses angoisses, sortir de l'isolement, s'ouvrir au monde, réouvrir son cœur, arrêter d'être toujours dans la peur, la défensive, ce sont des sujets qui reviennent souvent. On parlera de la relation à l'argent. J'ai remarqué que les personnes quand même qui ont un profil particulier, de la créativité, de l'intuition... Ah là 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 là, l'argent c'est compliqué. Hein. soit les personnes en fait se réfugient dans une façon extrêmement rationnelle de gérer leur vie, se coupent de leurs dons, et là il n'y a pas de souci d'argent, mais elles sont très malheureuses. Soit elles vivent leurs différences, leur façon de vivre la vie, etc. Et là, l'argent c'est extrêmement compliqué. Voilà. On va parler d'énergie vitale, comment récupérer son énergie vitale, comment retrouver la motivation, comment retrouver le plaisir de faire les choses, parce qu'il y a une grande différence entre la volonté et le plaisir. Votre volonté peut aller dans le sens inverse de votre plaisir. Voilà. On va parler de féminité et de masculinité, donc d'aller trouver le féminin et le masculin en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Il y a des femmes qui ont un masculin toxique en elles, c'est pour ça qu'elles tombent sur des partenaires toxiques parfois. Il y a des hommes qui ont un féminin toxique en eux, et c'est pour ça qu'ils peuvent tomber sur des femmes toxiques également, ça existe. On va parler énormément aussi de protection. Comment se protéger? Comment dire non? Comment fixer ses limites? Comment les ressentir? Parce que la plupart des personnes que j'accompagne, elles savent plus quelles sont leurs limites, parce qu'elles essaient de les définir avec leur tête, avec leur cerveau, avec leur mental. Mais votre mental, comme il a été bien souvent piraté, bien souvent vous avez vécu des manipulations, parce que vous êtes des petits cœurs d'anges, vous êtes des petits anges terrestres tout mignons, là. Et donc il y a des personnes qui ont bien souvent abusé de votre gentillesse. Votre cerveau, il a été piraté par des personnes, ok, c'est quasiment obligatoire si tu regardes cette vidéo, c'est arrivé au moins une fois dans ta vie, et donc ton cerveau ne sait plus quelles sont tes limites, voilà. Ton cerveau a été dans la soumission, ton mental a été dans la soumission, il a été programmé à l'impuissance, il a été programmé à se sentir rejeté, ou à se sentir abandonné, laisser tomber ton pouvoir, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc il va falloir revenir dans le corps. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup parler de protection, de limites, d'affirmation de soi. Voilà, ça c'est des sujets quand même importants. Voilà, donc on va définir tout ça. Comment fonctionne le programme Phoenix de façon concrète, hein. Donc il y a 3 réunions en visio par mois. Ce sont des groupes de travail, groupes d'évolution, pour pouvoir échanger, éveiller nos consciences. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes du côté groupe, mais il s'agit d'un petit groupe, il s'agit d'un endroit de partage et de sécurité où on réapprend tous que waouh, il y a d'autres personnes aussi bienveillantes que nous, donc c'est pas la peine d'avoir peur. Et oui,
C'est se donner la chance, en fait, de rencontrer ses semblables, de rencontrer sa famille d'âme, de rencontrer des personnes qui seront dans les mêmes, la même bienveillance, la même empathie que vous. C'est un espace où il y a de non-jugement, tout simplement. C'est un espace de non-jugement. Donc, vraiment, les coachings de groupe, j'aurais tendance à dire, plus t'as peur, plus il faut y aller. Parce que plus tu as peur du groupe, plus ça veut dire que tu as besoin de te prouver que le groupe peut être bienveillant envers toi-même si tu te respectes. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Trois coachings de groupe, donc trois réunions en visio avec le groupe d'évolution dans le mois. Un espace commun. Ok, un espace commun où on va pouvoir partager nos rituels, partager nos compréhensions, partager du contenu. Hein. C'est vrai que j'ai remarqué, les phénix, ils aiment bien partager une jolie chanson, un bel endroit où ils sont allés, un poème. Voilà, on partage toutes ces choses-là et ça égaye énormément la journée, c'est très sympathique. C'est un endroit aussi où on peut partager nos joies et nos peines. Voilà, donc. Pour ça, il y a un groupe Facebook où on peut partager les questions, les vidéos, etc. Et un espace commun où on va pouvoir échanger et sur le groupe privé Facebook et sur une application où on peut s'envoyer des messages. Voilà. On a ce système-là pour pouvoir être toujours en communication. Et puis, je vous donne un protocole de libération par semaine. Voilà, donc toutes les semaines. Un protocole de libération, de quoi je parle quand je parle de ça? Je parle d'un tirage, je parle d'un audio d'hypnose que j'enregistre pour vous, d'une méditation qu'on peut faire, qu'on peut partager ou que je vais enregistrer pour vous aussi, d'un exercice d'art-thérapie, un soin énergétique aussi que je peux transmettre au groupe si, quand il y a une blessure commune à tout le monde, et ça arrive très 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 souvent, c'est pas pour rien que vous vous retrouvez ensemble. Des libérations émotionnelles ou des libérations de mémoire. Voilà. Voilà, donc un protocole de libération par semaine. Et je t'ai présenté la liste des thèmes qui reviennent le plus souvent, mais c'est quelque chose qu'on va construire ensemble, en fait, dès le début du mois. Donc ça, c'est bien. Parce que dans le programme Phoenix, tu as la possibilité aussi d'avoir mon aide. Hein. Moi, je suis là pour vous. Donc si tu as besoin qu'on fasse une séance, etc., ben, les phénix y passent en priorité sur toutes les autres demandes que j'ai. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant et je réponds extrêmement vite. Normalement, je réponds assez vite dans la journée. Hein, je réponds si je reçois un message des phénix, soit pour un tirage, un soin ou qu'on fasse une séance ensemble. Hop, on s'appelle, hop, on fait une visio, et vous passez en priorité. Bah ouais, les chouchous, les phénix, c'est les chouchous. Mais vous êtes dans mon énergie. J'ai une énergie de phénix, je me suis réinventée toute ma vie. Toute ma vie, je me suis réinventée. Dans le passé, je me suis réinventée pour les autres. Aujourd'hui, je me réinvente pour moi, parce que je suis un être créatif. Je suis un être spirituel qui n'est pas attaché à son ego ni à sa personnalité. Donc aujourd'hui, toutes les transformations que je vis, c'est parce que je suis un être tellement créatif que moi-même, je suis capable de me créer. Tout simplement, voilà. Et que à travers mes cycles de vie, je vis un dépouillement où je lâche petit à petit des parts de mon ego, des parts malsaines, bien sûr, de mon ego. Je lâche petit à petit des violences, de la toxicité, etc., qui partent et qui sont nettoyées et purifiées à travers moi, à travers ma vie, à travers mes expériences et mes choix et mon libre arbitre. Et plus j'avance, plus je suis un être pur et plus je suis finalement cette flamme intérieure. Le phénix, c'est ça. Il s'est tellement réinventé, il est tellement mort et il renaît et il meurt et il renaît qu'à la fin, il est pure lumière. Il est purement la flamme intérieure. Il est 100% sa flamme intérieure. Et plus j'avance dans la vie, plus je me transforme, plus ma flamme intérieure, je découvre en fait ce qui ne change pas. La flamme intérieure, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais changer. D'accord? C'est l'essence même de ce que je suis. Et plus je me transforme, plus tout ce qui est inutile et faux, je le laisse derrière moi. Ce sont mes cendres et la flamme intérieure est la seule chose qui reste. Voilà.
pour moi, c'est une réalisation de moi-même. Et chacun a sa réalisation de lui-même. Il y a des personnes qui vont se dépouiller d'énormément de choses pour être amour, pour être liberté, pour être femme, pour être homme, pour être tout, connecté au tout, pour être dans sa propre médecine, pour être un être guidé et un être de guidance. Je le dis avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour. Je ne sais pas pourquoi ça me touche de dire ça comme ça. Voilà, j'espère avoir donné tous les éléments par rapport au programme Phoenix. Voilà, tu as le tarif qui est noté juste en dessous et tu peux t'inscrire au mois sans engagement. Ok, donc si tu fais un mois, tu fais un mois. Et puis après, si tu veux faire un deuxième mois, bah tu refais un deuxième mois, mais t'es pas obligé, tu fais comme tu le sens. Donc c'est ça qui est bien, c'est la liberté. C'est la liberté pour moi, c'est la liberté pour toi. Tout le monde est libre. Tu es libre de t'inscrire autant de temps que tu veux. Moi, je te conseille de faire 2 ou 3 mois, parce que c'est là où il y a le plus de transformation, c'est dans les 2, 3 premiers mois. En tout cas, j'ai hâte de t'accueillir parmi nous, futur petit phénix, qui deviendra grand. Eh oui, et je t'aiderai à vivre ta transformation intérieure pour que tu arrêtes de souffrir dans cette coquille figée. Nous ne sommes pas faits de pierre. Voilà. Donc, reprends vie, contacte-moi rapidement pour pouvoir t'inscrire parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et comme je veux faire en sorte que les groupes, les personnes ne soient pas trop nombreuses dans le groupe, ouais, il faut réserver sa place assez rapidement. On commence. Moi, je clôture les inscriptions tous les premiers du mois. Donc, il faut s'inscrire avant le premier du mois pour commencer le mois. Voilà, c'est simple. Voilà, mais ça va très vite. Bon, écris-moi vite ou contacte-moi vite. Et je te dis à très bientôt.